Bonjour tout le monde, moi c'est Sheila. Je veux faire un Cameroun tap, plutôt je le fais maintenant parce que je suis en train de le faire. Ouais, ok. Au revoir. Bonjour, oubliez un peu le WhatsApp là. Je suis Sheila Stella. Je suis née à Douala, à l'hôpital Garnison à Douala. J'ai grandi à Coton, Komondo, Gaoundéré, les trois quartiers là que j'ai un peu grandi. Parce que bon, j'ai quitté le Cameroun très tôt, à 3 ans. J'ai quitté le Cameroun à 3 ans pour venir en Europe. Voilà. Et bon, j'ai pas vraiment beaucoup à vous raconter parce que j'ai quitté le Cameroun très tôt et tout. Bon, continuons avec mon plat préféré. Et qui sont pourquoi je regarde toujours la maman, c'est parce que je me suis fait des notices et tout. ouais, désolée. Mon plat préféré, c'est que... Mon plat préféré, c'est... le poisson braisé et le piment et condiments bien écrasés comme ça à côté du plat. Avec les miandons, le poisson brisé avec les miandons, les oignons en haut comme ça, quand on paye, on vend là à côté. C'est ça mon plat préféré. Après, mon deuxième plat préféré, tout, c'est le ndolé avec les bobolons et les misolés à côté. Les misolés sont les plantains. Les plantains. ouais, c'est ça mes deux plats préférés, mais je peux manger tout. Je mange vraiment tout au Cameroun, que ça soit le poisson, le poulet avec la sauce tomate, le gombo, le poème. Je mange vraiment tout au Cameroun, tout. Bon, ma boisson préférée, c'est la Top Grenadine. Bon, désolé. Pour les gens qui ne savent pas que c'est la Top Grenadine, je sais aller vite chercher. C'est ça. Je sais pas si vous le voyez bien. Attendez. La Top Grenadine. C'est ma boisson préférée. Et la question, non, ça se vend pas en Europe, je le pense. Bien. Ça sort du Cameroun. Du Cameroun. Ma mère, elle est au Cameroun. Elle m'a ramené la Top Grenadine parce que j'ai commandé parce que ça fait bientôt un an que j'ai plus bu. Et ça me manque très, très, très vraiment. Quand je vais là-bas, c'est seulement ça que je bois ou la Guinness. Voilà, c'est ça. La Top Grenadine et la Guinness sont mes favorites. Bon. mais comme j'ai dit, j'ai pu bu ça, ça fait un an presque. C'est pour vous dire que je vais au Cameroun pour toutes les 2 ans. Toutes les 2 ans. Et ouais. En ce moment, ma mère n'est pas plus. C'est parce que bon, moi, je fréquente et tout. Voilà, je pars toutes les 2 ans au Cameroun. Et... Ouais. Voilà, c'est un peu tout ce que je vous ai à raconter. À part qu'est-ce que j'ai vécu au Cameroun pendant mes vacances. Parce que je vais vraiment, comme je vous ai dit, chaque 2 ans au Cameroun. Bon, qu'est-ce que je peux vous raconter du Cameroun? Le Cameroun, c'est un pays grave. Sérieux? C'est un pays grave. Les gens qui ne sont pas encore allés au Cameroun, vous avez raté quelque chose. Non, mes frères, mes soeurs, le Cameroun, le pays ici, le pays que porte sur moi là, je suis fière d'être camerounaise. Je suis vraiment fière d'être camerounaise. Parce qu'au Cameroun, si tu quittes ici en Europe, tu dis que tu vas au Cameroun pour te reposer. En vrai, c'est que tu as menti, hein? Tu as menti. Parce qu'au Cameroun, tu ne peux pas te reposer, l'ambiance qu'il y a là-bas. Tu montes, tu descends. L'ambiance qu'au Cameroun, tu dis que, elle m'avait là-bas.
je m'en vais là-bas. Arrivé au Cameroun, ta tante te dit, viens pas, tu peux pas dire non. Même si elle te dit pas, tu vas demander. Mais le Cameroun, c'est un pays grave. Tu peux pas aller te reposer au Cameroun. Pour aller te reposer, il fallait en Angleterre, en Italie, en France. Non, même la France, c'est pas comme ça. En Italie, en Espagne, des trucs comme ça. Mais au Cameroun, tu peux pas aller te reposer. Tu peux pas. Ouais. Les mariages, les fêtes, le 31 décembre au Cameroun. J'entends seulement, je regarde seulement les vidéos, non. Je n'ai jamais encore fêté. J'ai jamais fêté le 31 décembre au Cameroun. Mais j'ai envie de le faire. Bon. Une fois. Bref. Le Cameroun, c'est un pays spécial. Les gens qui sont jamais allés, oh, il faut aller pour savoir de quoi que je parle. Pour vraiment savoir de quel pays que je parle. Si vous êtes jamais allé au Cameroun, mon frère et mes soeurs, c'est que vous ne savez pas ce que vous avez raté dans votre vie. Le Cameroun, oh mon Dieu, non! Ah, je n'aime pas des mots pour ça. Vraiment, il faut seulement aller au Cameroun pour vraiment voir de quoi que je parle. Toutes les Camerounais et Camerounaises savent de quoi que je parle. Quand je reste ici, je vois un Camerounais en route comme ça qui me dit que ça fait, je sais pas, 10 ans, 11 ans que je suis allée au Cameroun. Mon cœur fait vraiment comme ça là que... Yi, mon frère, ma soeur, vraiment. Sérieux, c'est comment? Moi d'abord, je quitte le Cameroun. Avant de quitter, je pleure. Aïe, je pleure le Cameroun. J'ai même plus envie de quitter. Quand je quitte ici, je suis fière jusqu'à... Mais pour quitter le Cameroun... Je pleure. On me porte seulement pour m'amener dans l'avion. Non. Il faut voir de quoi que je parle pour savoir. Bon, c'est tout ce que moi j'avais à raconter. Parce que, bon, comme j'ai dit, j'ai quitté le Cameroun très tôt. J'ai pas vraiment des souvenirs. Tout. Mais si vous me laissez un j'aime. Je peux vous amener en septembre 2015, je vais encore une fois au Cameroun. Ouais, il y a un baptême de ma petite soeur et ouais, c'est ça qu'on va au Cameroun et tout. Si vous voulez, je vous amène et vous allez voir de quoi que je parle. Parce que Cameroun, non, comme j'ai dit, il faut vraiment être camerounaise ou camerounais ou aller au Cameroun pour savoir de quoi que je parle. Parce que, bon, c'est un pays... avec la joie, le pays a trop de la joie. Quand tu vas là-bas, tu peux aller que tu es, bon, comment je vais dire, tu peux aller, tu es, c'est pas que tu as des problèmes ici, mais dès que tu arrives là-bas, tu oublies tes problèmes, tu oublies tout, que tu as, ou tu as les factures à payer, ou tu as quoi, tu oublies tout, là-bas, tu oublies tout. Ah, le Cameroun, c'est le Cameroun, le pays que porte ce moi. Non. Vraiment, c'est un pays grave, très grave même. Mais bon, comme j'ai dit, si vous me laissez un j'aime en bas, je vous amène en septembre au Cameroun, me laisser des commentaires ou m'abonner, je dois être très fière. Ouais, c'est ma première vidéo sur YouTube, si je ne l'ai pas dit. Et voilà, comme j'ai dit, vous me laissez un j'aime et je vous amène au Cameroun en septembre. D'accord, bisous. Mouah.